Dans ce document, à savoir numéro 4, nous allons parler d'acides forts et faibles, ou de bases fortes et faibles. Un acide est fort quand il fait une réaction totale avec eux. Un acide est faible quand il fait une réaction non totale avec eux. Bon, ça va, c'est assez simple. Pareil pour finalement une base. Une base est forte si elle fait une réaction totale avec l'eau, et une base est faible si elle ne fait pas une réaction totale avec l'eau. Alors ça veut dire que là, on va déjà catégoriser les acides et les bases. On va mettre les acides forts et les acides faibles dans deux catégories, donc réaction totale ou non avec l'eau, et pareil pour les bases. Cependant, entre deux acides faibles, on va pouvoir comparer aussi la force des acides. Ça veut dire qu'on va vouloir savoir quel est, parmi ces deux acides faibles, quel est le plus fort. Ou même parmi les acides forts, on peut même chercher à savoir quel est, parmi ces acides forts, quel est le plus fort. Pareil pour les bases.